à vous, ici Fred Laudès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Borderlands 2 avec l'ami Krieg. Et on va continuer à batifoler dans la forêt. Alors j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. On va continuer le batifolage dans la forêt. Hop. Je me rends compte à notre nouvelle mission. Ok. Vous explosiez l'océan. Par pitié, débarrasse-nous de lui. Ok, c'est pas faux. Monsieur Dorg, vous êtes envoyé au pilori. Au pilori? C'est trop cool. Enfin, moi c'est Daveline et je suis là. Ok. Je vais vous ouvrir le chemin de la forêt. Vous ne survivrez pas seul aux horreurs de la forêt. C'est parti, je me retrouve avec Elvis. Ah, allez, batifoler dans la forêt. Au milieu de créatures diverses et variées. Elvis est là. Vous pénétrez dans la forêt de la tranquillité. Elvis, c'est parti. De la tranquillité. Ça a l'air chiant. T'as raison. Merde, faut vraiment que je trouve un meilleur nom pour la forêt. Forêt de la tranquillité, ouais. Monzoï, forêt de la tranquillité, ouais, ouais, ils sont tranquilles parce qu'ils sont crevés, non? Ça c'est sûr. Que t'es tranquille une fois mort. Alors, c'est quoi ça? Bon sang! Je savais bien qu'on pouvait pas faire confiance à la nature! Est-ce qu'ils prennent le corrosif? Attends, c'est des arbres! Ils devraient brûler, non? Attends, bouge pas. Logiquement, hein. Bien qu'elles soient moins puissantes. Je me demandais pourquoi je pouvais pas reculer, bon sang. Parfait, craignent le feu. La solution, par la combustion. Parfait. Ok, j'aime quand ça crame comme ça. Ouais, je vais ressortir un peu mon côté sadique. Vous trouverez une gemme au sol. C'est peut-être la reine qui l'a laissée là pour marquer son passage. Alors on n'a qu'à suivre les gemmes. Elles nous mèneront droit à la reine. Ouais, je suis d'accord avec Lily. Faut rester sur la route principale et ça ira. Cette forêt a poussé sur le cadavre de mes ennemis. N'est-ce pas absolument charmant? Peut-être que quand je vous aurai tué, le fougère vous poussera dans la cage thoracique. Oh, ça plaît bien, ça. Hop. Derrière moi. Attrape-moi, si tu peux.
On suit les petits cailloux. J'aime pas trop ce que j'entends là. Non. La reine a semé des petits cailloux. Ah, là, on a... On va tenter d'avoir des munis de mitrailleuses. Je ressens une grande chaleur maléfique. Hop. Faut faire tout le tour de toute façon. Je voulais juste regarder un truc que je regarde jamais assez. Oui, j'ai des jetons de Brutas. Cadence de tir des armes, ça peut être sympa. Dégâts des armes, ça peut être sympa. On va prendre du dégâts des armes. Santé max. Ça, par contre, quand je l'ai, santé max, je le prends, hein, croyez-moi. Hop, 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 c'est... Ah, ouh, des araignées. Ah, elles font mal, elles. Wow, qui? Donne-moi de l'iridium, ouais. Alors, je sais que j'ai l'XP fois et tout, mais déjà de 1, je pense jamais à le mettre. Et puis de 2, je préfère ma recharge de santé. Comment t'es arrivé là, toi? Suivez-moi. Je crois que la reine est partie par là. T'en as pas chié pour arriver là, mon ami? Malédiction. Un cul-de-sac. Il doit bien y avoir un passage. C'est écrit en orque. Ça dit qu'il faut baigner les artefacts dans le jus de... Oui, bon, enfin, c'est bien, continuer à cueillir des fruits, tout ça. Mais, enfin... Ça se trouve où, ces fruits? Vous verrez, ça fait scrooge, scrooge, et ça pousse sur les arbres, là-bas. Coucou!
trouver des fruits. Oh, ça achaille! J'écrase les merdouilles hein, pour me refaire. Essayer de retrouver de balles de mitraillette parce que j'ai l'impression que je vais en avoir besoin. Un truc de malade. Trouver des fruits, c'est achat. Feu, ça c'est cool. Peut-être pas celui avec l'armure, mais on va le bourrer. Ok. Ça c'est déjà cool. D'abord chercher à éliminer les ennemis avant de chercher les fruits. Ça sera plus prudent. Lancer un dé. Wow! Wow, ben là. Comme ça tu verras mieux. Putain. Le choix. Quel sens du sacrifice ? Bon. D'accord, il est hard. Lui, il est hard. D'accord. Je bois un petit coup. Excusez-moi. Oh putain! Qu'est-ce qui vous est le plus insupportable, monsieur Quigg? De mourir? Non! De me coincer irrémédiablement dans les coins quand je recule. Putain, mais pourquoi je me coince irrémédiablement dans les coins quand je recule? Dans tous les jeux, ça me le fait. J'avance tout droit, je recule tout droit, t'as l'impression que t'as un coin qui pousse. Orques, je te hais. Je commence à te haïr, mais à un niveau mais que tu peux même pas imaginer, mon ami. Personne ne peut m'arrêter. Nouvelle apparence de joueur, tiens. Et il a rien bouffé, le duc des orques. Cicatrice sur cicatrice.
et il a rien bouffé. Et je fais quoi, moi? Je fais quoi? Il a rien bouffé! Oh putain, c'est encore de ces machins injouables! Je fais quoi contre le duc des orques, s'il te plaît? Je fais quoi? Je me tripote la nouille en espérant qu'il va se suicider? Oh, mais excusez-moi, mais là c'est débile! Et 2 heures que je le bourre et il prend rien. À un moment donné, faut y arrêter les conneries. Faut que je bourre pour aller joindre. Ah ben on va aller joindre. Moi, obtenir bon prix cadavre à toi. Là, vous vous rendez compte que ça m'a beaucoup saoulé. Hein? On va essayer de l'éviter, le Mongol premier. Gogol premier, duc des orques. Bon, on passe. Gardez la corrosive pour le moment, hein. T'avais pas dit qu'il poussait sur les sylvanettes, tes fruits? Oui, eh bien sûr. Je crois que t'es assez cool pour cueillir le fruit sans... C'est les arbres. On va prendre la fire, alors. Non. Par contre, tue-moi si tu veux. Mais laisse-moi prendre tes fruits. Et là, c'est pas faute de m'être transformé, hein, pour le duc des arbres. Vous pouvez pas me dire que j'utilise pas assez ma compétence. Non, c'est de là-bas. Comme ça, si je crève, je retourne le voir et j'ai mes fruits. Le duc des arbres, le duc des orques, pardon. Voilà, je suis là-bas, de toute façon. Et on lui donne ses fruits. Et les orques, on n'en a rien à taper. C'est bon, quoi. À un moment donné... Oh, 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 pars pas, mon pote. Bien. Maintenant, écrasez-les sur les artefacts, je vous prie. Immortal Woods, oh putain. J'ai déjà peur, rien qu'au nom. Rien qu'au nom, les amis, j'ai déjà peur. Désolé pour Istouche la nouille, hein, mais bon. Quand vous avez un machin qui est immortel, bien que vous le bourriez. En tout cas, pour un jeu comme ça, où la vie est vraiment... part vraiment comme du petit pain. Ton oiseau, là, il est où?
avoir des ennemis comme ça, c'est... Je trouve ça un peu con-con, quoi. Ce qui était arrivé à Sanguine. Oui, enfin bon, elle est tellement... Ouais, les munitions. Je suis qu'un humble marchand. Et voici ce que je vous propose. Vous allez faire pas mal de dégâts avec ça. Tu prends celle-là, tu gardes celle-là. Tu prends ça. Excusez-moi, je fais un peu de tri. 35, 2782, 93, et lui... On va le revendre maintenant, parce que de toute façon, on ne sert pas trop des... Tac. On va attendre pour ça... Ah, ça sert à rien d'avoir plus de santé, hein. C'est peut-être l'univers qui m'envoie un signe. On le revend. Mode de classe. On le revend. On le revend. Ça, on le validera. Mode de grenade. Bouclier, foire. 3000. Moins important. Moins important pour faire de la place. Voilà, maintenant on peut aller dans l'inventaire, valider notre apparence joueur et reprendre la quête. Attention, ça va cogner. C'est parti. On les attaquera à l'acide. Parce que j'ai l'impression que le reste ne fait pas. Attendez, ils ont des boucliers, donc on va les attaquer à l'acide. Non, 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 non! Mais qu'est-ce que tu me fais? Mais qu'est-ce que tu me fais? Je t'ai dit de prendre le fusil? Où je t'ai dit de prendre le fusil? Waouh! Quoi ce tremblement de terre? Ok, on avance. On arrive presque à la fin de la session, les amis. Ok. C'est comme ce qu'on a dans Lynchwood. Ah, il va vachement loin. Eh mais arrête, grand! Il tirait vachement loin, le clampin. Le cercle de la vie.
J'aime pas les petits ennemis. Vous savez, c'est comme dans Minecraft, les mini-zombies, j'aime pas du tout. J'aime pas les petits ennemis. C'est bien parce que ça rajoute de la difficulté, mais putain, que c'est chiant à toucher. Il m'en reste encore un. Là-bas. Ça a été chaud. Je vois qu'il y a une quête pas loin. Ça attendra. J'ai déjà du mal à faire la principale. Quand tu tires dans le vide, vide. Je dois aller de là-bas. Ah bon, ouvrir les coffres. Essayez d'objectif. D'objectif. Oh là là. Essayez. Et, oh là, ben vas-y, mais ouais. Tu parles bien aujourd'hui, Fred. Essayez d'atteindre l'objectif. Alors là, lui, il doit être quand même un peu résistant et au corrosif, je pense. Même pas. C'est un baptême par le sang. Vous êtes combien? Minute. Je pense que je vais faire... Ouais, je vais faire ça. Tac, tac. Comme je me sers pas du flingue pour le moment, je vais faire ça. Voilà. Donc en bas, c'est la corrosive. Et à gauche, c'est la fire. Ça sera plus simple pour moi. Parce que j'ai l'impression que je vais devoir changer souvent. Donc j'ai autant de mettre ces deux-là. Dans mon inventaire, ça vous évitera aussi à vous de voir à chaque fois... Suivez-moi, vite. Donc on va le suivre là pour le moment. Hop. Sur la piste de la reine, 3 sur 3. On n'est pas en veine. Trouver la reine. Pour le prochain combat, faut que Roland soit là. On ferait mieux de faire une pause en l'attendant. Arrête. Roland ne va pas... Oh, j'ai une idée. Le gardien dit... Encore des gribouillis orques. Ça dit... Faites venir le chevalier blanc, lui seul pourra ouvrir la voie. Ça tombe bien, je sais pile où il est. Point de passage. Non. Faut qu'on trouve un chevalier blanc, les amis. Eh bien, on fera ça dans le prochain épisode. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délice, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, filles, amitié aux gars. Et à très très bientôt. Bye bye. The time has come to relieve that pain.